Ben, je présume que comme beaucoup de ceux qui se sont déjà exprimés, vous en avez certainement marre de voir le monde autour de vous se délabrer, le futur s'assombrir pour vos enfants, de voir les politiques patauger lamentablement dans une certaine forme d'impuissance, et d'un autre côté, de voir le foisonnement des milliers, voire de millions d'associations à travers la planète qui ont des solutions. Eh bien, bienvenue au pouvoir citoyen En Marche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bête-là? Cette petite bête-là, c'est en fait un collectif d'associations et de collectifs d'associations. On pourrait donc appeler cela une forme de méta-collectif qui a pour but, justement, de relier l'ensemble des associations qui ont toute une partie des solutions en main. On l'a vu ce matin. Et c'est justement cette forme de reliance qui manque très souvent à l'ensemble des associations pour pouvoir décupler leur synergie. Alors ça date de 2013, on pourrait dire 1913, hein, parce qu'il fallait déjà à ce moment-là se relier, d'une rencontre avec Jean-Marc Ayrault qui nous disait qu'il fallait nous relier encore plus puissamment. C'est ce qu'on a fait. Donc on essaye de relier des initiatives citoyennes qui constituent toutes des petits bouts de la solution. Voilà. On part du principe que l'intelligence collaborative, connective et autres permet d'avoir plus de pertinence, plus de moyens, plus de force. Et donc j'allais dire, venir rejoindre le grand mouvement de la marche du pouvoir citoyen, ces petits relieurs, connecteurs de l'ensemble des forces associatives.